Oh my god, je me suis acheté un trépied pour téléphone. Je sais pas, je me suis dit, bon, ça fait 8 ans, le mec il est influenceur, il veut pas investir. Du coup, j'ai un trépied pour téléphone. Depuis tout ce temps, je filme IRL 100 et là, genre, ça va me changer la vie. On dirait qu'il fait nuit, que la vie est triste, mais pas du tout. Que nenni! Hier soir, c'était les Grammys et j'ai fait exprès de pas ouvrir Twitter ni Instagram ce matin. J'ai été au sport, j'ai fait une séance qui m'a fait trop du bien, j'ai mangé et tout. Et là, je m'apprête à filmer mes réactions parce que, en fait, Miley Cyrus s'est pointée. Elle est venue, oh my god! Elle va remporter son premier Grammys sous mes yeux. Je veux vraiment réagir à ça et vous faire un petit TikTok que vous avez déjà dû voir. Il faut que je me rase et que je me fasse un petit peu beau parce que, voilà, c'est une belle occasion. Et puis voilà, non, nouvelle semaine qui commence. Et hier soir, du coup, c'était les Grammys. Et bah, ça me met dans un trop bon mood. C'est trop bien, j'ai un trépied. Bon, bah, on est la nuit, hein. Il fait déjà nuit parce que bah, j'ai passé toute mon après-midi à monter. Et en fait, les plateformes, elles veulent pas se mettre d'accord. TikTok, c'est jusqu'à 10 minutes. Reel, c'est 1 minute 30. Et short sur YouTube, c'est 1 minute, donc j'ai dû faire 3 versions. J'ai eu un beau lundi, franchement, bon départ. Vous voyez dans Mario Kart, quand tu prépares ton départ et que tu fais un bon démarrage, là, je suis vibe. Et je vais à Odette retrouver Sullivan et Inès, mes copines. Tu es négatif. Mais déjà, je t'en rends pas compte. L'objectif dans un service, c'est pas d'avoir une bonne réponse sur ça. La réponse, elle est là, c'est juste que là, c'est pas celle-ci. My god, demain c'est mardi, c'est les évals. J'ai pris mon café, mais il pleut dehors. Oui, la vie est belle. Hier, j'étais au BHV Marais, j'ai acheté des Posca, j'ai commencé de la peinture. Ah ouais? Ah, on dirait le Petit Prince version Sparkle. Et après, donc ça, on l'imprime en genre 1 milliard d'exemplaires, on le vend 100 euros. Je rigole. Bon les amis, comme vous avez pu voir, je suis en phase de création. C'est-à-dire que la période de repos et tout, elle est passée. Là, je suis rentré dans une phase qui est toujours aussi chill, mais phase de création, c'est-à-dire que je brainstorm, je crée, je dessine, je peins, j'écris, pour que tout ça, ça mène à quelque chose et que j'en fasse des choses cool. Voilà, voilà, bon l'influence, ça roule comme sur des roulettes. J'ai prévu pas mal de petites surprises pour vous sur YouTube, notamment des vidéos autres que IRL, parce que IRL j'aime trop et pour moi IRL c'est destiné à vous, vraiment les gens qui me comprennent, ma communauté hyper proche, les gens qui sont engagés avec moi dans mon univers, vraiment la IRL Army. Mais voilà, je prépare aussi des vidéos pour le grand public. Voilà, ça c'est entre nous et j'ai besoin de vidéos qui seront aussi pour vous évidemment, hein. Je sais que vous allez enjoy mais aussi parce que j'ai envie d'une era un peu plus mainstream, voilà, voilà. Mais j'attendrai pas de ces gens-là qu'ils aillent voir IRL, vous voyez ce que je veux dire? Genre IRL c'est grave notre truc à nous. Bref, mais voilà, genre là j'ai commencé à tout peindre et tout, enfin peindre. Enfin, si, c'est de la peinture en vrai, avec les Posca. Mais voilà, c'est.
Je sais pas. C'est pour manifester. Je me suis dit plutôt que faire un vision board, maintenant c'est bon, genre on se sait, l'univers et moi, genre j'ai juste, je peins et je manifeste à travers. Mais trop slay, genre. Non, mais du coup, c'est hyper addictif. J'avais oublié parce que, en fait, avant que je grandisse et que je sois en mode créateur de contenu, influenceuse, fabuleuse, quand j'étais petit, je passais vraiment des soirées, des après-midi et tout à peindre, à dessiner, à écrire aussi en vrai. Et j'ai un peu arrêté. Et là, de re-être seul chez moi, dans mon cocon et tout, ça me permet de re-expérimenter ça. On sort, on va prendre un café avec la Gisèle. Voilà, on va prendre un peu de ses news à la petite Chaise parce que elle me manque et en ce moment, on se voit pas trop. J'ai trop hâte de retrouver Gisèle parce que là, on s'est pas beaucoup vu. À chaque fois, c'était dans des moments très festifs. Et en fait, comme on travaille plus ensemble, je suis content de pouvoir genre prendre le temps de faire un café avec elle pour avoir des updates sur la vie perso parce que avant qu'on commence à travailler ensemble, on avait quand même une amitié qu'on partageait. La chaise. On est en terrain Gisèle là. Ma vie. Il y a Rel, hein. Il y a Rel, hein. Ça fait longtemps. Genre, ça fait longtemps. Dans le passé, genre, ça fait du bien. Oh my god. Oui, moi aussi, j'ai dit, là, juste avant, on prenait des petits cafés ici. Ça me fait trop du bien d'être tout seul, d'être dans ma bulle, de dessiner, de créer, d'écrire. J'ai dessiné, mais oui. Aussi, a fait des bêtises. J'ai fini d'écrire ma deuxième chanson. Non. Mais ça, je suis trop contente, mais juste... Tu veux écouter? C'est ça le problème. Bah, il faut... Je vais... Ma prochaine session, elle est mercredi prochain. Pour poser les voix et après avoir la musique, ça prend trop de temps, genre. Ah ouais, j'ai envie que ça sorte. C'est comme si tu repartais à zéro, tu rencontrais un personnage, genre. Ouais, c'est ça. Il y avait Bilal, il y avait Inès, Sudi et Gila. Je vois un petit blond sur son vélo avancer tout à l'heure. J'ai regardé sur Localiser, c'était bien toi. Je tourne une vidéo pendant 5 jours dans le sud avec Eva. Vlog de ouf. Oh, t'as bronzé, hein. Le chien de Eden m'a pris la carte SD. Non, la carte. Ouais, je viens d'aller dans un bruit, là il fait une récupération de données toute la nuit, il m'a dit je suis pas sûr qu'il m'appelle demain. Oh my god, j'ai jamais entendu ça. Non mais il a mangé mon Dyson à 400 balles, mes mocassins, il faut que je parte. Et j'ai une visite d'appart. Toi il perd les vidéos, mais le chien a bouffé la carte. Comment ça le chien il a bouffé la carte, mon frère? Mais tu sais que le chien, je vais dans son intestin, frère. Il était trop bien mon petit café avec la petite Chaise. On a croisé même Jules. Et là, on retrouve les copains. Bonsoir, oui. Paris. Ah ouais? Ah ouais? On a vécu, hein. Oulala, là là, ça a brainstormé dur ici. Le petit jeu à gratter. Ah bah oui, surtout. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cafés. Mais Bilal, c'est le paquet commun si tu veux des claps. C'est à qui? Bilal. Allez, je m'en gagne une petite. Oh! Combien? Ça fait combien de temps que t'as arrêté ce jeu? Non. Ça fait 4 mois et 20 jours. Oh, my guy. Mais pourquoi tu veux qu'il fume? Ah ouais? Attention parce que tu dois la fumer. 1, 2, 3, 7. Reverse. J'ai dit à Gisèle, j'ai dit j'en ai une drôle à te raconter. Je laisse toujours quand il me reste une clope dans un paquet, je prends le paquet, je le cache dans ma chambre. Je peux pas parce que la semaine dernière, j'avais pas vibré, j'avais pas. Et là, je me sens grave connecté avec cette semaine. Lumière, enfin, je sais pas. Oh, il y a des bonbons. Ah oui, il y avait des mandarines, ils sont très bonnes. Je fais des courses que j'ai pas déballées. J'ai fait des courses et je les ai portées moi-même jusqu'ici. Mais regarde, en vrai, c'est génial. J'avais mis dans West Row. I come and I go. Elle veut pas la sortir la version live de Flowers parce que la fin. Ouais! Shut up, Paul. Ho, the thing that you lied about. Even then, t'as la ref ou pas? What the fuck is that? C'est Slay, IRL. Ok, 2024, année quelconque. Non mais je meurs le studio d'enregistrement, tout est planifié. Are you deaf? Are you deaf? Are you deaf? Par contre néanmoins on va pas à pied parce que je viens de repenser au monsieur qui m'a hurlé dessus. La dernière fois on marchait dans la rue avec Sullivan et il y a un mec qui nous a hurlé dessus. Il avait
Et après, il était comme ça. Et au début, en fait, au début, on n'a pas eu peur parce que le cri, on s'est dit, ça, c'est Ryan. En fait, tu m'attendais à Victor Corbel, tu vois, un truc comme ça. Ouais. C'était un fou. Non, et c'était un mec, il faisait trop peur. Tu vois, le mec, même tout le monde dit, c'est le mec de la paralysie du sommeil. Il avait la même tête. Oh. Il était so white. T'as la rêve ou pas? Oui. Non, mais lui, là, c'est. Mais oui, il a la rêve. Ouais. Attends, mais c'est génial cette histoire de trépied là. Ouais. Vous êtes chez nous? Vous êtes chez nous ou quoi là? On va au cinéma avec Sully, guys. On va voir le film, même c'est Emma Stone, La La Land. Ben. C'est Emma Stone, non? Pour ah oui. Bah oui. C'est vrai. Sullivan, il a vu La La Land pour la première fois à LA. Guys, envoyez-moi de l'énergie pour avoir un appartement, je vous en supplie. Mais envoyez des apparts, surtout, y a pas, vous avez pas un tonton qui est... Ouais, je suis choqué. Vous avez quoi? Il n'y a pas un gatekeep. Envoyez les apparts à Sully, ça. Attends. Dis ça parce que moi j'ai fait une story et j'ai quand même reçu. J'ai visité un appart qu'on m'a proposé en dev, mais j'ai pas été. Mais... Non, mais parce qu'en fait, il était dans l'appart était dans la même rue que la Fabuleuse, mais à deux blocs plus loin. Ah oui, c'est l'éclate ici. Tu t'amuses bien, hein? J'ai fait les courses, mais je ne sais pas déballer. Ils ont l'air beaux, les Oreos. Granola au chocolat noir. Tu peux mettre la perf de Miley Cyrus. Voilà, elle y est pas. Elle y est. Tu peux mettre la perf que Sylvain fait que dire. Va dans vidéo en ligne maintenant. Il n'y a pas la perf, t'as complètement arrêté. Je sais que je. Non, oui, elle est sur le Insta officiel en vertical. Les fans, moi, ils ont posté. J'ai vu un truc sur la meilleure qualité. C'est quoi le. Ouais, voilà, y'a un problème. Voilà, mais le fou est tout noir, on est con. Mais oui, putain. On est trop con. Il y a une vidéo de Dua Lipa et Miley Cyrus qui se passe, qui marche l'une en face de l'autre. Oh sans se calculer, genre. Comment ça va? C'était trop bien le film hier avec Sully, j'ai adoré, pauvre créature. L'esthétique du film, il est hyper fantasy, mais en même temps très Hollywood, et tout ce que j'aime en fait. Tout ce que j'attendrais que Disney fasse dans leur live action, un peu ces prises de risque. Les films avec des vrais décors et tout, ça fait du bien, de la couleur et tout, bref, c'était trop beau. Et la morale de l'histoire est dingue. Enfin bref, aujourd'hui on est jeudi et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a à peu près... Julien Granel a fait un groupe avec plein de potes et tout et a proposé qu'on vienne le soutenir pour les Victoires de la Musique parce qu'il est nommé dans la révélation masculine de l'année, I think. Et je sais pas si genre encore les catégories, je sais pas. Mais du coup, c'est trop slay. En plus de ça, dans la même catégorie, on a Adèle Castillon que, bah, avec qui on est potes aussi depuis de longues dates. Donc, c'est trop bien. Genre, on va pouvoir vivre ça et voir genre, nos potes genre, briller sur la scène. C'est trop stylé. Surtout que les Victoires de la Musique, c'est quand même une cérémonie qui est la plus prestigieuse dans la musique en France. J'ai trop hâte parce que du coup, aujourd'hui, on assiste aux répètes. Expédition, venez explorer avec moi. Non mais ça fait trop peur Boulogne-Billancourt là. Je suis choqué. Wesley il s'est retrouvé dans le métro derrière moi. Donc là il va arriver dans une station, je l'attends ici. La scène musicale, j'ai été deux fois, j'avais été pour le show Balmain et pour les Victoires de la Musique il y a fort longtemps. Salut Pierre Garnier, oui, qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné la Star Academy 2023? Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Là je fais le tour des médias en ce moment, j'ai vu que mon single avait fait plus de 2 millions de streams, donc on avance, là on est sur la route des 5 millions. Et voilà, ciao, bye. Guys, on est choqués là. Ouh, mais... C'est pour tuer des gens, genre. Mais en plus, je sais même pas, c'est pas. Mais ça se voit que le métro, il était grave. C'était pas le bon. Hein.
On est à la scène musicale. LSM. SNM. Non mais c'est quoi ce district 13 dans lequel on est là? En fait oui. Moi j'ai faim. Quoi? J'ai faim. Tu savais que t'allais dire ça. J'ai trop faim. Je prends les clopes, on sait jamais. J'ai dit on prend les clopes parce que c'est tout ce qu'on peut manger ce midi. Enfin ce midi et ce soir. C'est vrai que j'en ai des travail fabuleux. J'ai mis de l'automobrant, ça se voit ou pas? La révélation, hein. Et... faut aller stream en fait. Hein. Il faut regarder le replay. Hein. On peut pas voter, non? Moi je dis, faut aller regarder le replay, hein. En tout cas. Hein. On sait d'avance qu'il est à dead en fait. Et allô, on est dans IRL allô, là? Allô, on est dans IRL. J'adore, Victor, là. On est dans IRL Victor de la musique, venez, on va voir les mecs. Le QG du prince. Du coup, toi, tu performes quoi demain? Ouais, on proposait de faire plusieurs musiques, mais je sais pas si je fais... Là, je fais une reprise de Yes N sur scène, avec tous mes danseurs. Oui, oui. Ah, c'est le mec qui a fait l'Insta. On veut que tire la concurrence, c'est l'autre chaîne. France 2. Tu sais que, guys, on est là aujourd'hui et on sera là demain. Oui, oui. Mais attends, mais il me dit un truc, ce mec, là, ça te dit rien? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Des visages familiers. T'as répété déjà? Ah oui, mais alors c'est horrible. Parce qu'en fait, fais gaffe, t'as une tâche. Mais en fait, non, mais je vous explique. Non, mais c'est un drame là, ce qui se passe. C'est trop bien. Parce que j'ai un cœur qui doit exploser. Sauf que comme vous pouvez constater, ça s'est mal passé. Ah là, c'est pas le cœur qui a explosé. Mais ah, on dirait, par contre, c'est trop un mood. Je pourrais grave garder. Je pensais que c'était un ensemble qui était fait exprès. Genre. Moi, j'adore. Non, mais ok, donc performance très Lady Gaga, très Bad Romance. On est sur un mix entre Billie Eilish et... J'ai hâte, j'ai trop hâte. Beaucoup. On va voir ça en live. Fair play, vraiment classe et chic. Ça commence. J'adore. Gazo, franchement. Bonne ambiance. Ouais. Bonne ambiance. Jane, on l'adore. J'adore, icône. Dans ce genre, ouais. Je ouais. Pas. Ouais. Ah, mais la même. Ma vie, je l'aime trop. Ah, love you, babe. On est dans le même label, hein. C'est la même. Bah, j'y sais, voilà. j'y sais. La loge où il y aura forcément le meilleur after. Oh là là. C'est ça que j'ai dit. Ah ouais. Et franchement, on rentre tous là-dedans, même à 50, t'inquiète. Que ça gagne, que ça perde, on sera 50 ici. Ah, mais dans tous les cas, bah oui, bah oui, bah ça part. Dans les deux cas, de toute manière, ce sera... J'ai l'impression de vous amener en mode chasseur de stars. J'espère pour vous, IRL, qu'on va avoir des stars. On est un peu au VMAs français, finalement. Totalement. On est sur une cérémonie qui est sur un stand plus prestigieux. Ça se passe? Attention. Ouais. C'est gentil, attention. Ok, donc posé, ambiance chill, veille de cérémonie. Vous allez avoir. Bizarrement, ça m'inquiète, mais ouais. Je me sens bien. Ouais. Moi aussi, je suis à l'aise. Peut-être que tu veux kiffer, genre. Non, sois à l'aise. C'est toi, on a la même. Que je gagne, que je perds, je m'en fous. On va tellement proposer une dinguerie là. Oui, c'est sûr, de toute façon, ouais, ça va être ouf. Nous pour le coup, on vient que pour du kiff en plus. C'est très bien. Nous, c'est que la fête là, toute cette équipe. Exactement, oui. Donc franchement, oh, pardon, mais cette personne est magnifique. Word. C'est ça, les gars. Ouais, toi. Ouais, Tati. Les retrouvailles de Tati ont roulé. Tati qu'on avait perdu. Ah, mais je t'ai dit. On est Et putain, on se voit, il fait jour et tout, ça fait du bien. On a victoire, ouais. Ouais. Tu fais quoi? Attention, il est là. Bienvenue à la scène musicale, les amis. Hein. En fait, là, le truc, c'est qu'on sait vraiment pas ce qu'on va faire. On nous a dit qu'on était là pour mettre le footless bull autour de Julia quand il va performer. Ça, on sait faire, en vrai. Et je pense que c'est parce qu'on a baissé dans les bancs, mais du pis c'est pareil. Genre, s'il y a Julien Gallner dans le camion de retour. Merci tout le monde. Excusez-nous, hein, comme on est pris un peu par le temps, comme tout le monde, hélas. Ça a l'air compliqué ici. Ça hein. Se voit, c'est là où il y avait les travaux. Ouais, c'est compliqué ici. Hein. Non, on va là. T'es sûr? Bah, c'est loin. c'est loin, genre. Attends, je... non, vrai, regarde, c'est à 9 minutes ici. On est arrivé à c'est 9 minutes et c'est 9 minutes. Ah, ok, vas-y. J'ai rien dit. Rel, de quoi je me mêle? Tu irais comme ça chez toi, genre? Oui. Genre, là, et toi, tu fais quoi tes journées? Moi, je joue à la play en fait, je joue à Fortnite. C'est ok. C'est drôle, en vrai, ouais, j'aime bien les vidéos. Ok, toi. Le style, t'as fait ça en vrai, c'est un abonné.
Mais c'est moi, j'ai fait. Ah, regarde. C'est vrai, c'est devant toi. Bah non, je vois pas, en vrai, il est guéri. Ma tenue elle est bizarre comme ça en caméra, non? Mais en tout cas elle est trop stylée en vrai. J'avais adoré ma cérémonie des victoires de la musique il y a maintenant 5 ans en arrière. J'avais arpenté la scène musicale pour aller parler aux artistes et j'avais fait un très bon travail de journaliste. Bon guys, on est dans les loges. Les Grammys, c'est dimanche sur CBS. Il y a Ariana qui est nominée pour son album Sweetener. Louane, ma vie, on la connaît bien. Blondinette, la fille des Français. On t'aime, Louane. Malheureusement, elle n'est pas disponible, elle ne va pas répondre à nos questions. Bref, en tout cas, j'ai trop hâte parce que je sais que je vais passer une bonne soirée. C'est vendredi soir, en plus de ça, on va faire la fête. Ça va être génial, on va croiser plein de copains. Voilà. On va grave kiffer à la scène musicale ce soir, ça va être trop bien, on va regarder le replay de Julien Granel. En plus c'est trop beau, vraiment c'est, on a vu le replay hier, bah, vous avez vu aussi. Ouais trop. C'est génialissime. Ça vous nous avez dit il y avait à boire, il y avait à manger, tout ça. Pour l'instant là, on est enfermé comme du bétail dans une pièce. Mais on a hâte pour Julien, on a hâte de sa performance. Alors là, on est actuellement dans la loge de Julien Granel. Mais on n'avait pas de bracelet en fait, s'ils l'ont puvé. Là, Joanie, on est en train de filmer IRL, on passe un très bon moment en loge, on a beaucoup à boire, à manger, regardez les gathering. Waouh, on a tous les stars. Viens, on envoie un mot et on dit balancez-nous un bracelet. Là, actuellement, on est en train de partager une bière à deux, voilà, c'est chaud. On a même vu Rachida Dadis. On est surtout. C'est le Bouffonna, je suis choqué. Je suis choqué. Bouffon. On est surtout là pour soutenir Julien, Adèle aussi, qui est une amie de longue date. Yonek. Unique. Une victoire de la musique. Hein. C'est pas une victoire. Hein. C'est beau. Hein. Mais c'est un peu nos Grammys ici. C'est quoi. Nos Grammys finalement. Non. En fait, voilà. C'est quand même Julien Granel, il arrive. Non, mais en vrai, parce que j'aime bien, hein, mais pas cette musique. Alors que plus fort, c'est sur tous les smartphones. Papa, tu dors. Lui aussi. Et lui aussi, travaille la scie pour. C'est long, hein. Gagner les clous. De nos pères nous ont fait nous rencontrer. Oui, oui. À travers toi, à travers ton œuvre. À travers toi, à travers ton œuvre. Nous leur rendons hommage ce soir. C'est bientôt à Julien, on a trop hâte. Et on va foutre les sbeules quoi. En fait on est là pour ça. Voilà. Franchement. Et il s'appelle Julien Granel. Ouais. Qu'on joue, peu importe de gagner la vie. Tant on est plus fort que ça, que rien nous s'arrête, on est plus fort que ça. When I'm with you,
make me feel so good. Cause girl, you see,